schizo. Dans sa jupette d'une manchette peut te mettre KO. Son acolyphase et casse-cou, lui c'est vraiment son pote. Mais les méchants schizo les battent tous pour les réduire en gros potes. Super force et super vitesse, y'en a pas deux, 200 espèces. Crème magique, rouge laser, ses cheveux lui tapent sur les nerfs. Chicule tout terrain, avion de chasse et sous-marin. Make-up bat, écrit l'enfer, qui est fille est trop super. Schizo. Shizu a plein d'adversaires, bulle de pavé, même Tara. Faites gaffe, la voilà. Shizu, Kelly et Sheila font leur show. Shizu, tous aiment Shizu. Shizu, jamais on a vu un tel héros. Shizu, y'a que ce Shizu. Quelqu'un a des questions au sujet de l'arbre généalogique que vous devez réaliser? Oui, oui, moi j'en ai une. Je voulais dire quelqu'un d'autre que Kelly Hamden. Madame du fossile, est-ce qu'on peut faire 100 pages ou c'est trop long? Il y a vraiment des nasses qui n'ont pas de vie, j'hallucine. Je demande pardon, monsieur Hamden. Je disais que j'ai vraiment hâte de vous rendre mon arbre généalogique. Je trépigne. Oh, je comprends ce que vous ressentez. À l'époque où j'avais votre âge, j'ai découvert que mon arrière-arrière-arrière-grand-mère avait gagné le concours de beauté de son village. Ah oui, en tout cas, ça saute aux yeux. Vous avez un air de famille. Je vous remercie. Et vous alors, quelles sont les choses fascinantes que vous avez découvertes au sujet de votre famille? Que j'en ai une. Il n'a même pas encore commencé son travail. Ah oui. Eh bien, puisque vous partagez la même histoire familiale et que ce devoir est à rendre pour demain, je suggère que vous aidiez votre frère. Ou vous aurez tous les deux zéro. Madame du fossile me déteste. Ouais, c'est vrai, c'est à mourir de rire. Laisse-moi recopier ton devoir et c'est réglé. Oh, rien qu'à l'idée de faire ça, mon petit cœur tout bleu pleure des larmes de sang. Mais voilà, attention, il est écrit à la main. Je rêve, c'est de l'encre dorée. S'il arrive quoi que ce soit à ce devoir, je te promets que ta généalogie s'arrêtera là. J'adore ça quand Kelly fait mes devoirs à ma place. Ah. Tu crois pas que tu devrais te mettre au travail? Tranquille, tu oublies que la super vitesse est un de mes pouvoirs, j'ai tout mon temps. Hé, hey, vous avez vu ma nouvelle broyeuse à papier? Non! Ah, ce n'était peut-être pas une super idée de me balader avec ce truc allumé. Oh non! Désolé mec, mais sur ce coup-là, je crois bien que même Shizu ne peut rien pour toi. De quoi tu parles? Ça n'a rien à voir avec Kelly. Shizu! Signal d'alarme, signal d'alarme. Envoie le topo, Sheila, j'ai pas de temps à perdre. Situation de Mega Mouise à Megadel. Mega Macaque est passé à l'attaque. Bon écoute, j'ai d'autres singes à fouetter. Dis-moi où et je règle ça. Minute, petit papillon de Guimauve. Mon scanner indique que Mega Macaque se trouve actuellement quelque part dans le passé. Mais je n'arrive pas à le localiser. Vous devez vous lancer à sa poursuite avec la chi mobile. Génial, on part en voyage dans le temps. Faudra emmener un goûter. T'es déguisé en quoi, là? Je suis la terreur des voyages intertemporels. Attention à mes cheveux. Oh, j'adore l'odeur des voyages dans le temps au petit matin, pas vous? Je ne savais pas que la chi mobile pouvait voyager dans le temps. C'est une nouvelle fonction, elle n'a jamais été testée. Mais alors, toi et moi, on est les cobayes du voyage dans le temps. Waouh, ça ferait un pur nom de groupe, ça. Vous êtes prêts? Accrochez-vous bien, ça risque de secouer. Départ immédiat. Waouh! Excellent, on est sur l'autoroute de l'histoire! Oui, de mon histoire familiale! Tu es de la même famille que toutes les Shizu qui ont existé? Eh oui, et ça se transmet de grande-tante en petite-nièce. Enfin, jusqu'à ce que j'arrive, quoi. Hors de mon chemin, bande de touristes! Waouh! Je me demande bien où va cette Shizu. On dirait les années 1920. Mon scanner s'affole, il est prêt à exploser. Direction les années folles! Que j'appelle un atterrissage en douceur. Ouvrez l'œil et soyez à l'affût de tout ce qui peut sembler inhabituel. Ça, par exemple? Ou bien alors ça? Quoi? Elle vole? Pourquoi je vole pas, moi? Ne faites pas un pas de plus, bande de vermines! Sapristi! Nous sommes faits comme des rats, on ne peut rien contre elle. Beau travail, mademoiselle. Si vous voulez bien me suivre, j'ai une récompense à vous remettre. Elle vous attend au poste. Bah dis donc, c'est pas de la blague quand on dit que les temps ont changé. Oups. C'est Méga Macaque.
Je te conseille de pas t'approcher de la demoiselle, méga macaque. Oh, par tous les diables, comment m'as-tu retrouvé ici? Hey, je suis tout à fait capable de me défendre toute seule. Et quant à vos bandes de chenapans? Ciel, mais c'est la bague! Mais alors, si tu portes cette bague, ça doit signifier que tu es ma future petite nièce! Oui, enfin, un truc dans le genre! Chihuahua! Oh. Wow. Je me présente, Flora Hamdon, pour vous servir! C'est incroyable, c'est le sosie parfait de Kelly! Oh, vous passerez bien à la maison boire une tasse de thé à la bergamote! Ça aurait été avec un immense plaisir, tante Flora, mais nous avons un méga macaque à attraper! Je comprends pas, du thé à la marmotte? C'est quoi cette odeur? Freinez! 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 Attention, tête fumier, droit devant! Je l'ai évité! Oh, Burke! Hein? Je suis revenu me venger! Je veux pas être désagréable, mais je crois qu'il y a erreur sur la personne! Hein? Oh. Laisse les citoyens tranquilles ou tu vas avoir affaire à moi. Je demande pas mieux, poupée. Personne ne m'appelle poupée. Mon nom, c'est Shizo. Et les filles savent bien que le cuir s'arrêterait si à l'eau. Merci. Nom d'une pipe en bois, qu'est-ce que je vois là? Une petite nièce. Waouh, vous êtes une... Une femme à barbe. Si c'est le singe que vous cherchez, il n'est plus là. Je lui ai donné une bonne raclée, mais il a réussi à s'enfuir. Il a dit quelque chose comme quoi il remontait aux origines. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai rendez-vous chez le barbier. Maz, on va faire un saut aux origines du monde. Fonce un coup de roue. Ouais, j'ai freiné juste à temps. Aïe, je crois que j'ai perdu deux ou trois cils là. Heureusement que la chimobile est assurée. Où est-ce qu'on a atterri au fait? Vous êtes aux origines. Tu veux dire que c'est ici que se trouve la toute première Shizo? Exact, et si Mega Macaque parvient à l'arrêter, c'est tout l'héritage de ta famille qui sera à jamais perdu. Ce coup-là, Kelly aurait vraiment les boules. Mais à quoi pouvait bien servir une Shizo à cette époque? La voilà, ta réponse. Cours! Tout doux, bijou. Allez, gentil toutou. Merci. Pas souci. Si vous me permettez. Hé, hey, regarde. Méga gants à Big Puff. Bien envoyé. Merci. Merci. Enchanté, moi c'est Shizo. Moi m'appelais Shizo aussi, mais mes amis m'appelaient Chiandertal. Venez. Tu viens? D'une grotte de mammouth, j'hallucine. Vois ta déguisement, là-bas. Trop génial. Waouh, ce repère est génialissime. Merci, il paraît que les grottes secrètes c'est surfait. Mais moi aimé. Toi chercher ça? Le devoir de Kelly? Qui t'a donné ça? Un garçon du futur. Et lui me dire, les voyages dans le temps ça déchire. Mais oui, bien sûr. J'ai sûrement dû remonter dans le temps pour cacher ce devoir ici avant qu'il ne tombe dans la broyeuse à papier. Moi, ne rien comprendre à ton histoire. Mais le temps n'a pas encore été inventé. En parlant de temps, il est grand temps qu'on en finisse. T'entends, Shizo, ou plutôt Shizo A-U-X, au pluriel. Bref, cette fois-ci, je suis venu avec des renforts. Ils sont choux. Quoi? Retire ça! Ils ne sont pas choux! Ce sont des créatures perfides et maléfiques! Eh bien, sache qu'on n'est pas venu seul, nous non plus!
En avant, bande de mazes! À l'attaque, terrible horde de mini méga macaques! C'est fou comme le temps passe! Je crois que j'ai laissé la cafetière sur le feu! Toi, restez là, le chimpanzé! Toi, pas retourner là d'où tu viens! Viens! Ouais! Avant de partir, il faut que je te pose une question. Tu es la toute première Shizo. Comment est-ce que tu as su que tu étais faite pour porter la bague? La bague, savoir à qui elle est destinée. Toujours. Vous faire attention sur la route. Ciao! Ce n'est pas mal. Mais votre travail manque d'imagination. Ah, moi? C'est tout? Félicitations. Excellent travail, Hamdon. C'est quasiment comme si vous aviez connu personnellement chacun de vos ancêtres. Quasiment, ouais.